Excellences, mesdames, messieurs, distingués invités, je n'ai malheureusement pas pu me joindre à vous pour cet événement exceptionnel. Je tiens cependant à vous témoigner de mon attachement singulier pour ces sujets relatifs à la planification familiale. Cette problématique constitue une priorité pour mon pays, la République démocratique du Congo, car par elle, nous prenons conscience du caractère central de l'homme en tant qu'acteur principal du développement. C'est ainsi que nos efforts combinés sur le champ de l'économie, de la justice, de la sécurité, de l'éducation et de la santé sont déployés précisément à l'aune de cette thématique. Aux fins de mieux servir la population congolaise et garantir l'émergence dès 2030, mon gouvernement, sous le leadership du président de la République Joseph Kabila Kabange, a engagé un programme ambitieux de réformes visant un renouveau en créant les conditions propices au développement socio-économique de notre pays. La marche de la RDC vers l'atteinte des objectifs de développement a été envisagée à travers l'exécution du plan national stratégique de développement dont le programme d'action du gouvernement constitue la composante opérationnelle. À cet effet, un chronogramme des échéances a été défini. Il prévoit que de 2012 à 2020, la République démocratique du Congo accède à la catégorie des pays à revenus intermédiaires sur fond d'une transformation de l'agriculture. De 2021 à 2030, la République démocratique du Congo ambitionne de figurer au rang des pays émergents à la faveur d'une industrialisation intensive de son économie. De 2031 à 2050, mon pays devrait se développer davantage du fait de la création d'une société basée sur la diffusion du savoir et des connaissances. Pour pouvoir atteindre ces objectifs, les efforts doivent porter tant sur l'augmentation de la croissance, de la production, que sur la planification familiale. Nous sommes pertinemment conscients, en effet, qu'une croissance démographique non maîtrisée risquerait de constituer un facteur entravant. Les projections démographiques indiquent que d'ici 2030, la population congolaise va doubler et qu'en 2050, la RDC pourra compter plus de 260 millions d'habitants. Par contre, des actions combinant l'éducation des jeunes, la prise en charge en matière de santé, la promotion et l'utilisation des services de planification familiale peuvent ralentir de manière significative cette tendance haussière. Les ralentissements de la croissance de la population, conjugués à l'amélioration du capital humain et de la gouvernance, auront des effets bénéfiques sur la croissance économique et la réduction de la pauvreté en République démocratique du Congo. À cet effet, mon gouvernement engage le pays à atteindre une prévalence contraceptive d'au moins 19% en 2020, 39% en 2030 et environ 50% à l'horizon 2050. Sous la houlette de son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République, mon gouvernement a initié des projets ambitieux dont la vocation est d'améliorer sensiblement la qualité de vie de la population grâce à un meilleur accès à l'éducation et aux soins de santé. Dans le secteur de l'éducation, le taux de scolarisation a augmenté et l'indice de parité s'est sensiblement amélioré. Toutefois, des efforts additionnels doivent encore se déployer
pour garantir à tous les enfants, filles et garçons, un accès aisé à la scolarisation. En plus de la reconstruction et la modernisation des infrastructures scolaires, les gouvernements s'emploient à améliorer la qualité des programmes scolaires et la formation des enseignants. Dans le domaine de la santé, des progrès majeurs ont été également enregistrés ces dernières années, notamment en ce qui concerne la vaccination, la lutte contre le paludisme et la tuberculose. Toutefois, des réformes doivent encore être opérées afin d'assurer une couverture sanitaire universelle pour l'ensemble de la population congolaise. Le gouvernement est conscient de la nécessité d'élargir davantage l'accès aux soins de santé, d'accroître la prévention contre certaines maladies, d'améliorer la qualité des prestations du corps médical en vue de réduire la mortalité infantile et maternelle. Pour ce faire, mon gouvernement a adhéré à la stratégie mondiale pour la santé des femmes, des enfants et des adolescents dans la fourchette 2016-2030, préconisée par le secrétaire général des Nations Unies. À cet effet, nous réaffirmons nos engagements à mettre tout en œuvre pour réduire d'au moins 50% les taux de décès maternels, infantiles et juvéniles à l'horizon 2030. Nous nous engageons aussi à développer des nouvelles politiques en matière de santé sexuelle des adolescents, des mariages précoces, des traitements des enfants, des promotions de l'égalité des sexes et de planification familiale. Nous nous engageons aussi à mettre en place des mécanismes et des subventions en faveur de la planification familiale et en faveur des soins obstétricaux d'urgence pour les vulnérables. Nous nous engageons enfin à accroître les dépenses publiques de santé afin d'améliorer la santé et le bien-être des femmes, des enfants et des adolescents. Le défi est énorme, mais peut être relevé. Avec la tendance de l'amélioration du contexte sécuritaire, à l'approfondissement des réformes, à l'amélioration de la gouvernance, à la consolidation et à l'inclusivité de la croissance et à la diversification des bases productives de l'économie, la République démocratique du Congo réalisera des avancées importantes en matière de développement humain d'ici 2030, l'échéance pour les objectifs de développement durable. Les bénéfices tirés de l'investissement de la planification familiale serviront à investir davantage dans les secteurs clés de l'éducation, de la santé, de l'environnement, de l'habitat, ainsi de suite. La délégation ministérielle congolaise à vos assises aura l'occasion de vous présenter avec plus de détails les actions concrètes menées par le gouvernement de la RDC dans leurs secteurs respectifs. Mesdames et messieurs, distingués invités, je vous remercie pour votre aimable attention.